Aujourd'hui, gros match entre pros. On va jouer avec Charles Jambu, que vous avez déjà vu dans une autre vidéo, qui avait fait un magnifique eagle. Oh là là! Ce que je propose est exceptionnel. Bah oui. Et là, il va jouer avec seulement un seul club. Il veut essayer de me montrer qu'il peut me battre avec un seul club en vidéo. Et avec Philippe Lima, qui a été 19 ans sur le tour, qui est mon tuteur de stage pour ma formation de moniteur de golf. On va voir qui est-ce qui fait le meilleur score entre nous trois. J'espère qu'il y aura du spectacle. C'est parti. C'est quoi comme formule? Bah, stroke play. Vous contre moi? Bah, qui est-ce qui fait le meilleur score? C'est possible qu'on te batte. Ah, en tête à tête, les uns contre les autres, mais il a qu'un club. Ça n'empêche qu'il fait match nul avec moi avec ça. Formule stroke play 3 pro, c'est parti. Ouais, 3. 2,5. Enfin, un vrai pro. On va dire que je joue pour 1,5, donc 3. Un pro entraîné, et puis moi en formation encore. Mais bon, je commence à. J'arrête le golf si Charlie me bat avec un fer. J'ai un fer 8 pour toute la partie, donc on va essayer de s'appliquer. Ouais, un club quoi. Allez. Petit coup tenu. En draw. Oh la machine. Ah, ça pique à gauche. Hop. Direct, sans réfléchir. Il est bien. Donc là, comment tu te sens toi, Philippe, là? On arrête pas un piquet. Tu vois, là, j'ai tapé un fer 9, je vais faire ce que je peux avec. En 3 quarts. Allez. 1. T'avoue, le wedge aurait été un peu mieux, mais c'est pas grave. Oh là là, elle est au piquet. Elle est courte. Elle est en ligne. Foot, là je ressens quand même pas mal de stress de partout. Je mets un fer 7. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Parce que là je me sens pas bien. Je vais jouer relax. Ouais, j'hésitais entre le pitch et le fer 9, je t'envoie fer 7. Bah ouais, c'est ça, c'est 3 longueurs par rapport à Philippe. Prends un fer 4, ça ira mieux. Et bon, le plus important c'est d'être proche du mât. Oui. Il faut accepter ses défauts et jouer avec. Ouah, wow, j'ai les mains qui trempent quand même. Bah ouais, parce que je suis là, t'inquiète, je te regarde. Tombe. Putain, et quand les mains ils trempent, ça part direct en dessous. C'est quoi? C'est finisseux. Ouais, vous êtes beaux les gars. Vous êtes beaux, regardez un peu cette vue là. Clac. C'est Philippe qui est caméraman. C'est pas beau ça. Et hop, et regarde si on fait comme ça. Salut les gars. Petit chip d'Adrien. Quand vous voyez là, je suis un peu court, mais bon, il me reste quoi? Petit 5 mètres. Allez. Bien. Il respire. Allez, je sauve les meufs. Oh. C'est pas donné ça. Ah, il reste du boulot là quand même. Ça peut rentrer. Ah, elle fait pas le droit de gauche. Oh, ça fait le par quand même. Ça est donné. Ok, Charles doit s'accrocher, mais déjà pour rester à hauteur. Pas de pente. Oh là 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 là. Philippe et Adrien dans le par. Plus un pour Charles. Par 3, combien de mètres? 158 poteaux. Il joue comment? J'ai tapé un léger draw, c'est pile poil mon fer 7, donc j'ai tapé un coup, je suis chaud. Droit sur le piquet parce que j'ai vent légèrement de la gauche. Oh. Allez, petit draw. Ouais, soft. Un peu trop de draw. Soft. Ah, dès qu'il est en stress, il parle anglais, Philippe. Oh, celle-là est belle. Faut gratter, mais. Vol. Oh, hauteur à droite. Oh. Un peu à droite, pas mal à droite. T'aimes bien cet endroit, à chaque fois qu'on fait des vidéos, tu te mets là-bas quoi. T'es pas serein là en fait, Charles, non, c'est ça? Je vais faire un coup dégueulasse. Je fais des barres dessus, laisse tomber. Oh non, elle est revenue, je la vois, sur la petite butte, c'est magnifique là. En plus, ça le fait un 8 partout pour prendre le petit coup. Sur la petite butte? Mais non, ça c'est. Ah non, j'aurais bien aimé, mais. Ça c'est une technique de. C'est une technique, non? Technique de match play. Pour rentrer dans la tête de Charles. Aussi on va voir aujourd'hui toutes les techniques spéciales que des pros du tour. Non, il n'y a pas de technique. C'est quoi la technique?
prendre des greens, mettre quelques potes. Ouais. Sans se mettre en danger. C'est le meilleur moyen de gagner ces matchs, c'est ça ? Faire des birdies. Ouais. Ah bah si tu joues bien, tu joues bien. Hein. L'autre, pour qu'il te batte, il faut qu'il joue mieux. C'est à vous. Ça reste l'essence même du jeu. Eh ouais. Ouh là là. Ça va être chaud. On n'est pas bien là dans le rough. Ah, pas bien du tout. J'ai pas de shot. Le lay est comment ? Il est... Dégueulasse. J'ai pas de shot, je vais la faire taper sur la butte, je vais la faire rouler. D'accord. Oh là 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 là. C'était quand même bien imaginé là. Tu le vois comment ? Je vais de droite, étape. D'accord. Métable, oh métable. Moche. Il l'annonce quoi. Léger gauche droite métable. Et il le met. Ça c'est la classe. Ah, un peu de chance, il faut de la chance. Tom. Charlie dans le dur là. Ouais mais je vais faire des birdies. Ça va arriver. Petit coup de pression. Allez. Je fais comme Philippe. Léger gauche léger droite gauche. Gauche droite, je suis pas sûr quel ouais. Léger droite gauche, métable. C'est comme ça qu'il faut jouer. Ah mais plus de. Ouais, dommage. Bon putt, belle vitesse. Ouais. Combien donc là, 131. Un peu fond. Même coup quoi. Ouais, à peu près le même. Ah, le contact, il est beau. Bon. Oh. Oh, comment il est pas rentré. Ouais, j'ai l'impression qu'il a failli faire 3 nains. Merde, putain, je savais que c'était un peu just. Quoi ? Comment elle est pas rentrée ? Ça y est, incroyable. Là, il est en train de nous mettre une leçon, là. Heureusement qu'il est pas chaud, hein. Heureusement qu'il est pas chaud. Heureusement qu'il s'entraîne plus, hein. On va faire un petit essai de prendre un green en régule, quand même, ce serait bien, là. Oh, le chat. Prends le vent. Allez, ma belle. Celle-là, elle peut rentrer. Celle-là, elle peut rentrer. Regarde. Bien, mon Charlie. Oh là 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 là, tout le monde. À toi, Adrien. À, à toi. Moi maintenant. Adrien, faire 7. Faire 8. Non. Faire 8 oh, je l'ai bien pris, je le fais en 9. Hein. C'est un plein coup pour toi, non ? T'as pris faire 9 ? 3 quarts, ouais. Ouais, je vais faire 7, 3 quarts alors. Ah, il change d'avis, pas beau. J'espère qu'il va assurer la décision parce que là, s'il hésite à l'impact, c'est pas bon. Le pire des choses, prends une décision. Et là, changer au dernier moment, Adrien. N'oublie pas. Je me base sur ta décision et je sais que j'ai pile deux longueurs de moins que toi. Du coup, si c'est ta décision, ça peut que être une bonne décision. Je pense que je vais essayer de zoomer. Mais si on l'a... Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'ai tremblé. Adrien, alors émotion. Poulet, là, je suis un peu long. Je suis pas bien, là. Je me sens mal. J'aurais dû rester sur un fer 8. Je l'avais prévenu. Ma faute. Hein. Quand tu la poules, de toute façon, elle fait un peu plus de distance toujours. Pourquoi ? Bah parce que j'arrive un peu face fermée et. Donc tu gagnes en quoi ? Et bah je gagne. Le loft c'est pas le même, je présente plutôt un 6. Exactement. C'est pour ça que les gens ils disent qu'ils tapent fort en draw. Mais non, ils tapent fort en poule draw. Oh là là, là il y a deux gars là qui sont complètement à côté. Non, coup de chance. Coup de chance complètement. Ça c'est la balle. De Philippe et moi et là-bas c'est Adrien qui a fait un bon coup de merde. Il a pas écouté Philippe, il a changé de club et maintenant on est puni. Ouais, j'ai pas joué avec les stats. Ouais. Maintenant il va falloir me la faire tomber pile où je veux et qu'elle roule jusqu'au trou. T'as quoi comme club ? 56, elle vole deux tiers, elle roule un tiers. Ok. Voilà, à chaque fois qu'Adrien se fout de ma gueule, il y a le karma derrière. Celui-là, il est encore plus métal.
étape, je crois. C'est pas si facile. Ah, il fait toute la full routine pour lire là, tellement. Ah, Philippe, bah, il fait comme Tiger. On dirait qu'il est droite-gauche, mais je pense qu'à la fin, il va pas tourner. Donc. Philippe, il fait comme Tiger, il fait tout le tour du trou. Ah ouais, c'est pas inutile, croyez-moi. Ouais, pas si évident celui-là, mais ça va. Allez, centre droit, pas plus. Oh. Ah. Dommage. Ah, j'ai prise de la pointe, je pense qu'à la vidéo on va le voir. On est sorti gauche là. Léger droite gauche. C'est un peu important celui-là. Tourne. Come on. Oh là là, ça allez fait... Ça c'est pour Charles ça. Allez. Bah, je vais faire birdie comme ça. C'est pour pas perdre trop de points contre Charles. Oh là là. Moi qui pense. Moi qui pensais que j'allais perdre deux coups contre vous, en fait, j'en perds zéro. Eh ouais, c'est le golf. Tu sais jamais ce qui peut vraiment se passer. Même distance qu'aux deux, donc j'ai le club. Oh, c'est lourd la frappe. Un petit peu trop de draw. Ouais, mais ça va. Ouais, mais plein green. Et à hauteur. C'est ma tendance. C'est ta tendance. Ouais, dès que je l'appuie un peu et que je suis pas très chaud. Ça part un peu plutôt à gauche. Ouais. Quand je la joue en 3 quarts ça va et dès que je l'accélère un peu, je la coince un petit peu. Il y a 8, il va falloir qu'il en mette une. Stratégie de match play. Aïe aïe aïe. Sortie de bunker au faire 8 avec toi. Ça là là. Philippe il réussit à rentrer dans la tête de Charles. Ça filme. Le mât il est un peu à droite, du coup je vais viser 1 mètre à gauche du mât. Pour avoir le plus de chances possible d'être sur le green. Faut quelle est la distance. Vol. Oh là 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 là. Magnifique. Bon, on se fait engueuler par les membres. Stand still, please. Players are ready. Ah ouais. T'imagines quand même ce qui est en train de se passer, quoi. Je suis en train de cadayer Adrien Calou à Villefleury. C'est-à-dire qu'il joue contre moi. Bah, c'est une technique de match play, Philippe. En fait, tu la connais pas, cette technique de match play. Le problème, c'est contre des joueurs comme moi, ça donne l'effet inverse. Ah, toi, ça te chauffe, en fait. Ah bah oui. Je suis plus proche que toi, là. C'est vrai. Moi, j'ai envie que tu te chauffes, hein. Ouais. Oh là là, c'est fou, hein. Toujours dit, hein, c'est la fin de la foire qu'on compte les bouses, moi. La sortie au fer 8, tu fais comment, Charles? Ouvre la passe et je mets de la vitesse. Oh là 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 là! Oh là là! Mais c'est pas possible! Comment il fait ça? C'est donné! On sent le talent du gaucher, ouais. Là, on sent que le mec, il s'entraîne tout le temps avec son fer 8 de partout. C'est clair. Regardez-le là, cet homme fier, fier et serein d'avoir fait un par. Oh, le putt d'aveugle. Stevie Wonder, quoi. Là, je me suis concentré sur la ligne et je ne l'ai pas heurté, donc elle est sortie en ligne parfaitement. Mais toi-même, tu me disais que c'est d'abord la vitesse avant la ligne. Bah ouais, mais tu vois, j'ai fait un pull le trou d'avant, j'ai voulu me concentrer sur la sortie de balle. Aïe, il craque. Come on. Impression ? Oh, je me sens aussi fort que Philippe là, exactement, moins 1, je suis bien. Alors, c'est à toi Adrien. Ça fait toute sa journée. Oh là là. Oh là là, ce shot. Putain, mais je suis en feu aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive là. Donc toi, moi j'ai mis bois 3, toi tu mets quoi? Bois 5. Oh, elle est à droite. Bunker, ah, elle a pris un petit bout d'air. Ça va aller. Je peux encore faire deux ça.
Ça fait... Tu l'écrases, c'est ça? Mais toi, tu joues en par 4 du coup? Ah, j'ai pris ça. Avec ton fer 8. Objectif, la faire rouler pour que, avec l'été. Oh, c'est beau. Un peu haute, t'es déçu? Ouais, je suis arrivé trop vertical, du coup elle est partie trop haute. Mais surtout, ce que j'aimerais, c'est faire deux birdies et finir dans le par. Charles, il vient de dire, l'objectif c'est de faire deux birdies et de finir dans le par. Ça, tu valides pas ça? Non. C'est bien, mais par contre, il faut se fixer des rêves. Ouais. Tous les rêves sont inatteignables. Mieux c'est. On progressera. Ce qui est sûr, c'est qu'il va, devoir taper coup par coup. Ouais. Pour atteindre ton rêve, il faut prendre coup par coup. Et ouais. Ni crainte ni espérance, mon grand. Enfin, ça, je le garde tout le temps, ça. Avoir peur du passé, pas se projeter dans le futur. Donc là, il te reste combien de mètres? Je sais pas, il doit rester 45 mètres, 50 mètres. J'ouvrir un peu la face, essayer de la couper un peu, de la faire tomber un peu courte, avec un peu de side spin vers la gauche. Ok. Je suis dans les fleurs, là, surtout. Oh, un peu longue. Ah, oh, ça va, elle a spiné. Heureusement que t'as du touch. Ouais, mais un peu fort. Table mouillée, tu la joues comment? Bon, pareil. Pareil. Oh là là, elle a spiné en arrivant là. Oh, c'était beau. Oh là 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 là. Ah, t'avais dit c'était le 2, mais bon, ça fait 3 données quoi. Allez, pour la beauté du geste. Magnifique, magnifique. Quel joueur. Alors tu la joues en mode putter ou Non, je vais essayer de la faire décoller un peu pour qu'elle passe derrière la merde. Allez, ça va, c'est donné. Est-ce que ce serait pas aujourd'hui? Tu l'as jamais fait? Que ce soit moi qui fasse un eagle, Charles. Et que ça soit filmé? Ouais. J'aimerais pas trop, mais bon. Pour te rendre l'appareil. Avance. Oh. Allez, pour te rendre ton eagle, Charles, pour te rendre ton eagle. Et prends la tête surtout. Exactement. Et ouais, je passe à moins 3, mon gars. C'est ça le golf. C'est ça le tennis. 142 là, Omar. Tu te sens dans un bon jour? Tu vois, il bouge pas trop latéralement. Tu vois, le côté droit pas trop par-dessus, c'est pas mal. Non, mais c'est mon côté rageux parce que c'est vrai qu'il joue bien. C'est à toi, hein? Ah oui, tu parlais de moi? Ah, oui. Oui, t'as un bon rythme. Ton rythme est bien, t'as pas la main droite trop par-dessus. Oh, je me fais observer par le pro. Mais du coup, en fait, ça, non. En fait, ça, c'est bon. C'est une technique pour me faire sortir de mon jeu. Ça, je sais, je la connais. Dire bon. Tu joues bien, parler de technique. Tu vends de la gauche, tranquille. Bon, là, ça va, c'est un petit coup là. Sauf que t'as la main droite un peu fermée, non? Ouais, non, il commence à parler grippe et technique pour que je commence à y réfléchir. Non, mais non. Il joue bien. Il est en forme. C'est vrai que je suis impressionné. Putain, c'est la première fois qu'il me dit un compliment depuis que je suis son élève moniteur. Ça allait plus vite. Sortir de tout ça, il rentrera pas dans ma tête. Ça commence tout doucement à rentrer, tu vois. Oh non. Tout doucement. Oh là 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 là. Elle est longue et à gauche. T'as vu le petit coup de par dessus là qui est arrivé sans rien dire là? Ouais, bah en fait c'est surtout le mauvais club quoi. Oh là 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 là! Un peu court! Ah, le spin! Trop arrosé, les gars! Mais elle était en plein dans la ligne tout le long, quoi! Middle number! C'était parfait le club, en plus! Putain, là, t'avais pour une fois que t'avais le club idéal! En l'air, tu pensais qu'elle, qu'elle rentrait dedans, quoi! Je pense qu'elle avait vraiment la taille pour être parfaite! Pas grave! Là, il est mettable. Déjà, tu ne t'as même pas encore vu le putt et tu sais qu'il est mettable. Bah, en montée droite-gauche. Ouais, en général. Ça passe bien. Hein. C'est bien, ouais. En tout cas, elle va pas passer loin, ça c'est sûr.
Charles, on sent qu'il est là, il rumine là. Non, il a juste envie de te voir. Où est là. Il dit que je vais faire après. Il a envie de te voir fondre. C'est chiant, le soleil. Au moins 3 là, t'es en train d'atteindre ton record, non? Ouais. Bah, mon record c'est moins 3, ouais. Ah ouais, t'es dedans là. Ouais. Ah ouais, là il va falloir serrer la vis. Ça y est, il sait dire exactement ce qu'il faut pour mettre la pression, quoi. Nous on va la boire, mais toi tu vas la subir. Le pire c'est que je le sais, je le sens là. Là j'ai une baisse de tension là, je le sens. Ah, il faut que tu manges. Bon, ah. Tu bois. Ouais, c'est là, vrai. Je t'amène ton sac jusqu'à la balle, t'as vu comment je suis bien. Oh là là. Caddie professionnel. Un caddie incroyable. Voilà, attention, ça descend. Petit gauche droite, ça va vite. Un mauvais putt, sera toujours mieux qu'une mauvaise approche. Ça reste dans la ligne. Ah. Ouh, c'est un peu fort, mais c'est pas trop mal poté. Ouais, ça va. J'ai encore du boulot, mais je suis pas mal. Approche roulée pour Charles. C'est pas donné ça, hein. La beauté du geste, moi je donne. Ah non, non, non. Et un, vu qu'il commence à avoir peur. Ça, putain. Qu'est-ce que c'est mon fait, putain. Putain, ce fou rythme que j'ai là aujourd'hui, petit. C'est de la pompe là, en fait. Oh là là. Bah. Allez, petite montée droite-gauche. Bam, plein trou, autoritaire. Tout ça pour le... C'est pas ton bois, quoi. 134. 134 oh, 134 au fond. Ça va, Charles? Ouais, je suis pas dans le truc. Mais C'est pas grave, ça va venir. Petite gauche. Jamais le club. Ah là 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 là. Tiens Adrien, ta belle caméra. Ça fait deux fois que tu es long. Donc là 134, tu la joues comment? 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 Ouais. Un petit peu plus de distance, le vent s'est levé, il a un poil plus portant, donc c'est parfait. Ah ça je l'avais pas vu ça. Lui il l'a vu. C'est là la différence. Oh là, elle est à côté du mât là. À force de danser autour, ça va payer, je crois. Hein. Ça paiera un jour, on sait toujours que ça paye au golf. Mais on sait jamais quand. Ça va, les greens. Charles est bien là. Côté droit du mât. Philippe est au top. Et moi je suis au fond, je suis vraiment pas bien. Oh là là, je suis là-bas. Oh, dans le rough, ça va faire mal ça. Moment très important. Chip, ultra difficile. Bon, moi je dis ça, je dis rien, mais le jeu d'Adrien commence doucement à s'effriter là. Ah, on va exactement. Pas assumer le moins 3. Là, c'est... On se la pète quand on sauve départ. Et là on est quand même. Aïe. Mais là un petit 60 degrés qui va faire du bien. La distance là, hein. C'est très sec. Ok, je crois qu'il va signer pour son premier bogey. Ah là, c'est mal barré. Philippe me fait un clin d'œil, il avait raison, ça n'a pas duré. Oh, ça va donner. Pas une. Oh là, c'est le moment, toujours le moment clé ici. Ça peut être un trou avec deux coups d'écart. Là, c'est important. Avance. Oh. Donnez. Premier bogey, on repasse à moins 2. Premier bogey, je passe à moins 2. Il peut revenir à égalité, Philippe. Allez. Filou pour birdie. Oui, monsieur. Il est solide. Oh là 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 là. Bien joué, Filou. Ah là, il est serein, là. Là, il est bien. Il fallait être présent, il fallait être là. Oh, il repasse devant, ça me fout les boules. Là, je vais plus jamais le revoir, là. En 52, tu le sens comment, là? Ouais. Là, je vais jouer pour aller faire le birdie. Donc, je vais aller jouer à faire 7 pour aller chercher un record.
c'était juste pour te battre, j'aurais voulu faire 8, j'aurais assuré le pas. Mais j'ai envie quand même que j'ai une marge de sécurité. Eh, donc ça veut dire qu'il a un peu peur quand même. Non, pas du tout. J'ai juste envie de te mettre une grosse branlette. Oh non! Voilà, j'ai pris le risque. Tom! Ouais, ça va. Il finit bien. Ah, je suis allé chercher le drapeau. Tu vois? Petite erreur mentale, non, ici? Hein? Erreur de stratégie mentale, non? Ouais, il faut pas parler avant de jouer. Quand t'as une stratégie en tête, tu la joues, mais si tu l'annonces après, tu mets une petite pression qui sert à rien. Fait. Ah, c'est ça être youtubeur. Allez, cut et vol. Ouais, centre de green. Je joue un peu à droite du mât. Ouais, je vais jouer par là vers l'arbre qu'on voit juste derrière. Okay, et laisser oui. La variance l'amener au trou. Bon, les deux prises dégueu. Adrien, sensation. Prise dégueu. Ah, je suis avec Philippe à gauche. Mais on s'accroche. Là, deux trous de la fin, quelles sont les sensations? Charles, toi, t'es... C'est de la merde. Il est pas dans un bon jour, il est pas heureux. Bonne promenade, c'est pareil, il fait chaud, il fait bon, c'est cool. Ouais, c'est facile, c'est ça? Non, je me promène, le parcours est sympa à jouer, les greens sont bons. Ouais, il parle pas des adversaires, quoi, c'est... jamais. Bah, déjà, je te dis, si moi je joue bien, normalement ça devrait bien se passer. Si tu joues normal, ça se passe bien. Parce que rappelons, ton record du parcours ici, c'est... Moins 7. Moins 7. Je comprends pas comment c'est possible. Bah si, regarde, aujourd'hui, si je mets quelques potes, hein. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est rentrer les potes que t'as pas rentré. Ouais, les balles sont là-bas. Avec Philippe, on s'est short-sidé, on s'est mis du mauvais côté. Ouais. À erreur stratégique. Bien joué, Philippe. Ouais, premier ratage de... stratégie, tu vois. Ouais. À vouloir être agressif. Exactement. On voyait pas aussi coincé à gauche, là. On s'est fait avoir par les Enkeeper. Donc là, c'est quoi, 58? Tu l'as fait tomber où? Regarde, je crois. Ici, là? Ok. Oh là là. Ah, le kick, c'est quoi les données? Tu jouais pour la rentrée ou quoi? À côté ou quoi? Ah, il est déçu quand elle rentre pas, quoi, quand elle est donnée. Ah, il l'a joué devant du coup. Alors Adrien, t'en es où toi? Vu que tu l'as fait tomber avant le green, j'ai appris, je vais faire la même chose. Joue ton jeu Adrien. Ouais, et cette petite phrase fera rigoler certaines personnes s'ils voient cette vidéo. Joue ton jeu. Tu l'as fait tomber un peu entrée et avec un 52. Certains joueurs du tour se reconnaîtront s'ils voient cette petite vidéo avec joue ton jeu Philippe, joue ton jeu. Et là c'est joue ton jeu Adrien, n'oublie pas. D'accord. Ah, la petite gratte, elle a quand même roulé. Ouais, gratte et roulé. Il y a encore du boulot. Faut s'accrocher. À Charles là, vas-y. C'est donné, Charles, bon pote. Oh là là, très bon pote. C'était ça le stratégie parfaite. Côté bon côté du green, deux potes, c'est bien. Non, sauf quand tu sais chipper. Ouais, voilà, exactement. Et quand tu tergiverses pas, tu fais pas par rapport à l'autre. Allez, faut rester au contact du sous le par, hein. Il faut pas repasser dans le par. Come on, allez. On l'a sauté à droite celle-là. C'est la journée de petit. Non, c'est juste, c'est l'entraînement, c'est ça. C'est gestion des amplitudes, savoir gérer sa vitesse, c'est ça qui fait la diff. Je vous le dis, moi. Combien? 132. 132? On va sur un 3 quarts de 9, on est bien. Ok. Contacté bijou. Oh, parfait. Elle est parfaite encore. Oh là 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 là, à côté du mât. C'est facile le golf quand c'est comme ça. C'est facile. Journée de réussite. Journée de réussite. 8 greens en régule. Objectif moins 4. Objectif déjà faire un bon putt. Ouais, déjà faire un bon putt. Il est bien là.
comme celle-là. Allez, rentre. Oh là là, encore magnifique. À toi, Adrien. Ah, ça y est, ça met la pression. On te regarde. Bon, Adrien, voilà, on y est. On y est. Sachant que la dernière fois avec Charles, je l'avais mis dans les arbres à droite. Et qu'il y a de l'eau à gauche. Tu te rassures juste avant de jouer, c'est parfait. C'est bien, c'est quoi? Tu penses à l'eau à droite, mais il y a l'eau à gauche aussi, donc bah merde. Et que je suis moins deux, je suis bien, et qu'ils ont mis les deux au drapeau, et que j'aimerais bien la mettre au même endroit. Ça va, c'est un coup facile. Et qu'il y a tellement cru au 5, c'était fou. Hein. Ouais. Oh, comment il te l'a rattrapé avec les mains, celle-là. Ça va, elle a chopé le green au fond là-bas. Bien. Ça s'est effrité quand même à la fin. Hein. Ouais, ça s'est effrité. On sent que je suis rentré dans le score, que j'étais plus du tout dans le présent, quoi. Mais en fait, on est vraiment, vraiment pas loin. C'est vrai que je pensais qu'elle allait mieux plus revenir. Et... Ouais, aussi. Ouais. Et en plus, elle était dans la bonne ligne pour revenir vers le trou. Ouais. Putain, je vais peut-être faire finalement un birdie au 9. Oh, ce serait le moment. Ouais. Par contre, un birdie, attention. Hein. Tu te sens pas bien, là? Je te sens pas au top, non. Alors Adrien, pense aussi, et si tu le mets, tu peux encore égaliser, hein. Oublie pas ça, hein. C'est vrai, ça. Attends, moi je l'ai pas mis. Le suspense est encore au top, là. Je dirais pas ça, mais je peux encore y croire. Attends, si ça se passe, playoff, hein. Playoff. Philippe peut rentrer aussi, tu peux rater. Oui, oui, il y a plus de chances dans ce sens-là, ouais. Alors, Adrien, Philippe est par là. Et moi, je suis pas trop loin du drapeau. J'aurais fait le coup de la journée au 9, c'est normal. On se rapproche du clubhouse. Oula, il demande à enlever le mât. Si tu fais une fusée, rien pour l'arrêter. C'est une légende, ça. C'est clair. Un petit putt en descente assez long. Le plus important, c'est la vitesse, là. Je suis déconcentré par les oies. Oh, on va le faire putter. Allez, Filou, pour faire moins 4. Pour le moins 4, qui serait beau. Tu l'as prise dans la pointe un peu, non? Ouais, surtout je l'ai joué par la droite. Ouais, t'as mal lu, quoi. Ouais, là j'ai mal lu, tu vois. Bon, ça reste à moins 3, hein. T'as joué quoi? Au-dessus du par. Pourquoi au-dessus du par? Bon, mon par ici, il est à moins 4. Ouais. Ton par, il est à moins 4 pour toi? Il me fatigue. Allez, là, pour le premier birdie, qui ferait du bien. Oui, monsieur! Et là, voilà, tu finis serein et heureux. Ça fait y a plus deux, surtout. Pas de top. Ouais, il sera accroché quand même. J'ai fait mon birdie au 9. Pour le moins 2. Ah ouais, pour rien du tout au final. Ouais, ouais, mais si, quand même, pour. Pour le droit de nous payer une bière. Pour prouver à la communauté que maintenant je suis légitime de passer pour enseignant. Là, si tu prends 3 potes, de là. On te retire ton diplôme. Allez, le petit moins 2. Bon, ça les gars, merci. Pour conclure, quand on est élève moniteur à l'île Fleury, on progresse dans son golf. Exactement. Merci, mon Charlie. Merci. Bien joué, les gars.